56 ans après le traité de l'Élysée, les parlementaires français et allemands travaillent toujours ensemble pour renforcer la coopération entre les deux pays. Une déclaration interparlementaire franco-allemande entre le Sénat et le Bundesrat, la chambre qui représente les Länder allemands, a été signée ce mardi. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de ne pas tout mobiliser au niveau de nos institutions, mais promouvoir surtout, essentiellement, les échanges entre entrepreneurs, les entreprises, le monde économique, les échanges avec la société civile et surtout les échanges avec nos jeunes, avec la jeunesse. Malgré les différences entre les deux systèmes institutionnels, le Sénat et le Bundesrat partagent un même intérêt pour la prise en compte des territoires, la coopération décentralisée et transfrontalière ou encore les questions européennes. Nous ferons tout également dans le cadre de l'Europe pour promouvoir à nouveau, si c'était nécessaire, ce moteur franco-allemand. Nous avons également échangé des sujets que nous traiterons au mois de juillet prochain lorsque nous accueillerons nos amis allemands dans le cadre du groupe d'amitié. Ils sont très intéressés par ce que nous faisons au niveau des start-up. Cette coopération entre les deux chambres vient en complémentarité de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, composée de 100 députés français et allemands. Elle verra le jour le 25 mars prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.